3000 ans avant Jésus-Christ, le sultanat d'Oman était appelé Magan par les Sumériens. Puis les Perses lui donnèrent le nom de Mezoun, qui signifie « l'eau abondante ». Le nom d'Oman, qui évoque également le nom du fils et de l'arrière-petit-fils du prophète Abraham, lui aurait été donné par des tribus arabes sédentarisées, qui pratiquaient l'agriculture, l'élevage et la pêche. Cité portuaire, Mascat est la capitale du sultanat d'Oman. C'est l'une des villes les plus anciennes du Proche-Orient. Oman était connu sous le nom de Magan à l'époque sumérienne. Il est en effet attesté que les premiers arrivés ont été les Sumériens, suivis des Chaldéens, puis des Assyriens. Le nom Magan lui a été attribué en raison de la richesse en cuivre de ses terres. Dans la région d'Ibri, à l'intérieur des terres du sultanat d'Oman, non loin d'une palmeraie, se trouve Bat, une zone d'habitat et de nécropole qui date du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Un site bien conservé qui a su résister au temps et qui atteste d'une succession de nombreuses civilisations. On a également trouvé des tombes très anciennes qui prouvent à n'en pas douter la présence de civilisations multiples sur le territoire d'Oman. Naturellement, les avis ont divergé en ce qui concerne les croyances qui avaient pu être celles des Omanais dans les civilisations anciennes. Certains ont pensé qu'il pouvait s'agir de païens, des païens qui vénéraient le feu. Pour d'autres, il s'agissait plutôt de païens qui adoraient des idoles à des époques de civilisation ultérieure. Le Dhofar, situé au sud du sultanat, a hérité d'un riche patrimoine culturel et marchand. La région est par excellence la terre de la culture et du négoce de l'encens. Selon les vestiges archéologiques, ce sont les peuples qui ont vécu sur ces terres qui ont tracé les premières routes commerciales. La région du Dhofar a traversé plusieurs périodes historiques, et ce, depuis l'âge de pierre jusqu'au Moyen Âge. Les conditions de vie y étaient réunies et les moyens de subsistance assez accessibles pour que les anciens puissent s'y établir grâce à des éléments vitaux comme les pâturages, l'eau douce ou le poisson, c'est-à-dire tout ce qui est susceptible de pousser des humains à s'installer et à se sédentariser. Les fouilles entreprises ici, à Al-Balid, nous ont amenés à découvrir que la cité a été fondée à l'âge de bronze, vers 2500 avant Jésus-Christ. Elle a traversé l'âge de fer jusqu'en 355 avant Jésus-Christ, puis l'ère chrétienne jusqu'au 12e ou 13e siècle, avant de subir des destructions et d'être rebâti pour la deuxième fois en l'an 618 de l'Égire, c'est-à-dire en 1221 de notre ère. Aujourd'hui, le nom de la cité est Al-Balid, mais dans les temps anciens, elle s'appelait Zephar. C'était un port important dans le système de commerce de l'océan Indien à l'époque médiévale. De nos jours, on pense que nous sommes dans une globalisation, mais dans les anciens temps, il existait la même chose. Ce que nous avons découvert ici nous révèle une forme de commerce global, et ce grâce aux matériaux trouvés, et qui proviennent de Chine, de l'Inde, d'Afrique, de Méditerranée, d'Égypte.
Ceci nous éclaire aussi sur le fonctionnement du réseau commercial et comment, dans cet ancien empire, dans cette ancienne cité, les échanges s'effectuaient. Il y avait également un port à sec pour réparer les bateaux endommagés par la mousson. Une véritable cité bien organisée. Conscient de l'importance et de la richesse des découvertes archéologiques que renferme Al-Balid à Salalah, les Omanais ont construit, non loin du site, le musée de la Terre de l'Encens, où sont exposées les découvertes majeures de civilisations au passé glorieux. Un des plus importants et lucratifs commerces était l'encens, vendu depuis les temps anciens. Durant la période médiévale, il était exporté vers l'Inde pour être acheminé ensuite vers la Chine. Auparavant, l'encens était vendu en Méditerranée pour Rome et la Grèce, et durant la période médiévale, vers l'Inde et plus loin vers l'Est. La plus importante population était arabe, mais nous pensons qu'il y avait d'autres communautés qui vivaient ici. Il y avait des hindous, en raison des matériaux que nous avons trouvés. Parfois, ce sont de petites pièces de poterie qui nous racontent de belles histoires de marins, des histoires de rois. Vraiment, nous recueillons beaucoup d'informations des petites pièces. Et ce ne sont pas les plus belles qui renseignent. Les touristes sont nombreux à venir ici, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur du pays. Il y a toutes sortes d'olibans répartis en plusieurs catégories. La première catégorie est la résine verte. La deuxième est la résine blanche. Et la troisième, la résine noire mélangée. On l'utilise à de nombreuses occasions et pendant les cérémonies, que ce soit dans les mosquées ou dans les foyers. La région du Dhofar est également une terre où reposent de nombreux prophètes. C'est dans les montagnes de Beit Zarbij que se trouve le tombeau de Job, cité dans le premier chapitre des Saintes Écritures dans l'Ancien Testament. Et plus connu sous l'appellation de prophète Ayoub, cité quatre fois dans le Coran. Son tombeau attire de nombreux visiteurs, encore de nos jours. Salalah est la capitale du Dhofar. Son développement, commencé au début des années 70, a transformé le visage de la ville. Elle est aujourd'hui la deuxième ville du sultanat, après la capitale, Mascate. Au milieu des immeubles modernes, la cité abrite le tombeau du prophète Imran, dont le chapitre 3 du Coran porte le nom, la sourate Al-Imran, la famille d'Imran. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
Samaïl a toujours été une palmeraie paisible et florissante. Au milieu des palmiers dattiers se trouve la tombe de Mazin ibn Radzouba, un compagnon du prophète Mohammed. Il est attesté qu'un homme qui s'appelait Mazin ibn Radzouba, originaire de Samaïl, vénérait une statue nommée Nagir. Un jour, il a entendu lui parler en ces termes. Ô toi, Mazin, écoute et tu te réjouiras. Un prophète de Mordor est apparu. Il croit en la religion du Dieu le plus grand. Abandonne cette statue de pierre. Tu échapperas au feu de l'enfer. Radzouba s'est alors mis en route et a rencontré le prophète en l'an 6 de l'Hégire. Mazin sera le premier à répandre l'islam. Et c'est lui qui a construit à Samaïl la première mosquée d'Oman, la mosquée Al-Mizmar. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Nous sommes ici dans la mosquée du compagnon du prophète Mazin ibn Radzouba, Dieu et son âme. Il ne s'agit pas de la construction d'origine datant du 7e siècle après Jésus-Christ, qui avait été faite d'argile et qui est plus petite. Car depuis, il y a eu d'autres éléments qui sont venus s'y ajouter, tout en tenant compte du style ancien. Vous pouvez remarquer que les poutrelles qui sont derrière moi servaient jadis à l'imam pour monter sur le toit, lancer l'appel à la prière, ou pour délivrer des informations, ou pour encore d'autres circonstances. Certains indices atteste que l'islam a pénétré Oman avant que Abou Mazin ne rencontre le prophète. L'histoire raconte en effet qu'un homme du nom de Dhumad ibn Tha'laba fut le premier à rencontrer le messager. Et les sources laissent entendre que celui qui avait demandé au prophète de bénir les gens d'Oman était justement Dhumad ibn Tha'laba et non pas Mazin ibn Radzouba. L'histoire dit aussi qu'un groupe de 100 hommes issus de Bani Rasib allèrent voir le prophète et se convertirent tous, et ce, avant l'arrivée de Mazin. Le fait n'est pas étonnant, puisque quand Amr ibn al-As était venu pour voir Abd et Jaifar, fils d'Al-Julinda, qui régnait alors sur Oman, et qu'il leur fit parvenir le message du prophète, ils se convertirent sur le champ. Certains pourraient conclure à la naïveté et se demander comment on peut se convertir aussi vite, sans s'informer davantage sur cette religion, ni connaître le prophète. En vérité, et des preuves nettes le confirment, l'islam est arrivé à Oman avant la période de Mazin ibn Radzouba. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابن الجلند سلام على من اتبع الهدى أما بعد
فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا. Cette célèbre missive envoyée par le prophète Mohammed et remise par un proche compagnon, Amr ibn Alas, au roi d'Oman, est exposée au musée de la Terre de l'Encens, à Salalah. فإن ملككما زائل وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. الله أكبر الله أكبر. La doctrine ibadite est née moins de 50 ans après la mort du prophète Mohammed. C'est la plus ancienne des écoles juridiques de l'islam, inspirée par le message coranique et les enseignements du prophète. L'ibadisme a pour credo partisan de la tradition prophétique et du rassemblement. Un credo appliqué par les Omanais depuis toujours. Le fondateur de l'école ibadite est l'imam Jabir ibn Zayd al-Azdi al-Omani. Il était parti d'Oman vers Al-Basra, où il a créé cette école après avoir été l'élève de compagnons du prophète à Médine, tels que Ibn Abbas, Aïcha et d'autres. C'était l'homme le plus savant d'Irak à l'époque. Et c'est en raison de son immense savoir que les gens lui faisaient confiance et suivaient ses leçons, l'interrogeaient sur la science de la charia et se référaient à lui pour les décisions juridiques et pour les fatwas. Après les événements sanglants qui ont eu lieu entre les musulmans à cette époque, l'imam Ibn Zayd a choisi de s'éloigner de la voie sanguinaire et de ne participer à aucune de ces discordes qui opposaient les musulmans entre eux. Il a tracé pour lui-même une voie juste et a refusé de prendre part à la moindre querelle armée entre fidèles. Tous ceux qui croyaient en lui, le respectaient et l'admiraient, se sont regroupés autour de sa personne. Ce fut le point de départ et l'émergence des premiers théoriciens qui donnèrent naissance à l'école musulmane ibadite. Ce n'est pas Ibn Zayd qui lui a donné cette appellation. Elle est survenue plus de 100 ans après sa mort. L'appellation Ibadi renvoie à l'un des élèves de Jabir ibn Ziyad, Abdullah ibn Ibad. C'était un homme de grand savoir qui s'entretenait souvent avec les souverains de Bani Umayya à l'époque. De sorte qu'on attribua la voix ibadite à Abdullah ibn Ibad parce qu'il en était le meilleur porte-parole. Toutefois, la voix ibadite demeure l'œuvre et l'initiative de Jabir ibn Zayd. Plus tard, la voix s'est développée à travers ses savants, les livres et les sources rédigées par ses auteurs, qui n'ont pas tardé à se diffuser dans tout le monde musulman. Ce que nous voyons derrière nous, c'est le plus ancien village qui fut habité par l'homme. Il remonte probablement au deuxième ou troisième millénaire avant Jésus-Christ, d'après les ruines. Cette région est celle d'Assal. La ville de Nizwa est une ville historique d'Oman, connue depuis la Jahiliya, la période pré-islamique. On l'appelait alors Nazwa de Bouleibil, du nom d'une idole vénérée comme une divinité avant l'arrivée de l'islam. <t'->
Ceux qui ont creusé le plus de canaux à Oman sont les Yaariba. On estime à 400 le nombre de canaux qu'ils ont creusés à Nizwa, à Burkit El Mouz et à Sharqiya, sans compter d'autres régions du pays. Cela parce que les Yaariba étaient passés maîtres dans l'urbanisme et la construction. Il est de tradition que les mosquées soient construites à proximité des canaux. C'est le cas de cette mosquée, la mosquée Al-Yaariba de Burkit El Mouz, qui compte parmi les mosquées historiques de Oman. Elle a été édifiée au XVIIe siècle par l'imam Sultan Ibn Youssef sous le règne de la famille des Yaariba, qui a réalisé l'unification d'Oman et chassé le colonisateur portugais. Celui-ci avait réussi à établir sa domination sur Oman et sur d'autres lieux. Les Yaariba ont pu libérer de sa férule tout Oman, Mascate, Matra et Souar. L'une des plus célèbres constructions de la dynastie des Yaariba est le fort de Nizwa. Quand la capitale a été transférée de Souar à Nizwa en 794 de l'ère chrétienne, toutes les administrations ont été déplacées de Souar à Nizwa. Nizwa a été ainsi choisie pour devenir la deuxième capitale islamique après Souar. Depuis l'époque de l'imam Ghassan ibn Abdallah al-Yahmadi, qui reçut l'allégeance en 179 et mourut en 207 de l'Égir, on a donné à Nizwa le nom de lumineuse ou blanche de l'islam, en raison du grand nombre de savants, d'hommes de lettres et d'exégètes qui ont vécu là, et de tous ceux qui ont afflué de toutes les régions d'Oman. Le fort de Nizwa abrite le musée Beit Karsh, riche en vestiges et en documents rares. On y trouve des os d'omoplates de chameaux et des pots d'ovins qui étaient les premiers supports d'écriture pour la transcription des versets du Coran. Une inestimable collection de pièces de monnaie, qui avait cours au temps du prophète, y est aussi conservée. Mais aucune pièce n'a été frappée à l'effigie du prophète de l'islam. Nizwa est une des rares villes d'Oman qui a su préserver son identité, qu'il s'agisse du style vestimentaire, de l'accent, du dialecte omanais, mais aussi de ses marchés typiques. La plupart des boutiques du souk sont tenues par des Omanais qui exercent toutes sortes de métiers. Et ces activités artisanales ont perduré jusqu'à nos jours. La halwa omanaise est l'un des mets les plus appréciés au sultanat. Celle fabriquée à Nizwa est l'une des plus réputées. La halwa est une confiserie omanaise. Elle est considérée comme l'un des mets principaux de la cuisine locale, et ce depuis la nuit des temps.
Elle continue à être servie, comme par le passé, aux grandes occasions. Nous l'avons améliorée génération après génération, depuis notre grand-père. Nous avons pu aussi en développer la recette, l'équilibrer, y ajouter d'autres ingrédients, ainsi que des décorations. De la même façon, nous avons pu varier les récipients et les motifs. Allahu akbar, Allahu akbar. Au XVIe siècle, grâce à des familles bâtisseuses, Oman s'est distingué par une riche architecture religieuse. Dans le village de Sahih al-Ahil, ce mur de mosquée en argile, où se trouve le mihrab, place de l'imam pour la prière, témoigne de la diversité et de la finesse des décors. Les Omanais sont connus pour la passion qu'ils ont à répandre l'islam. Et nous n'exagérons pas quand nous disons que le quart du globe terrestre a été islamisé par le biais des Omanais. Ils y ont diffusé l'islam sans radicalité, sans contraindre les gens à se convertir ou à adhérer à une école en particulier. Bien au contraire, ils ont appelé à Dieu, tout simplement, sans se préoccuper de voir si celui qui embrasse l'islam le fait par la voie de l'école chafiite, hanbalite ou chiite, qui se valent toutes. À Oman, toutes les écoles musulmanes cohabitent. Cela a été le cas dans le passé, c'est le cas dans le présent et si Dieu le veut, ce sera le cas dans le futur. Depuis l'arrivée de l'islam à Oman en 629, aucun conflit n'a opposé les Omanais à cause de leurs appartenances religieuses ou d'une divergence de leurs écoles de pensée. Les Omanais ont toujours cohabité, non seulement entre musulmans, mais entre musulmans et non-musulmans. La présence en nombre des lieux de culte de diverses religions à Oman atteste clairement de ce vivre ensemble qui règne entre Omanais et non-Omanais sur cette bonne terre.